pendant que mon co-détenu de cellule, l'éléphant de mer comme je l'appelle, ronfle en rêvant à son plan d'évasion. Moi j'arrive pas à fermer l'œil. Alors je réfléchis à mon plan d'invasion de ma nouvelle vie quand je sortirai, quoi. Non, c'est vrai, j'ai un peu forcé la dose avec elle. Je vais lui faire un cadeau, tiens. Je vais lui écrire une gentille lettre. Non, un seul cadeau, ça lui suffira pas pour qu'elle me pardonne. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, bon, un boulot, elle rêve que j'ai un métier sûr. Remarque, je pourrais écrire une histoire, ça me fera passer le temps en tôle. Histoire de flic, c'est ce que je connais le mieux. Tiens, je vois bien mon co-détenu jouer un commandant RIP. Faut que je trouve une embrouille. Ah ben c'est lui l'embrouille. Je le vois bien dans une piole à flipper pour une histoire de... Mais je sais pas, de gonzesse disparue, de... Ouais tiens, de call girl. Ça fait genre... Ton petit frère. Écrire un polar. Ouais, y en a plein qui se réhabilitent comme ça, et ils replongent plus. Ouais, attends, je vois à la télé. Troisième cadeau. Troisième cadeau. Me tenir à carreau. Ça, elle va aimer. Trois cadeaux, c'est pas mal. Thank you.
Dis-moi que tu aimes ça. Tu aimes ? J'ai vu un truc. Enfin, quelqu'un. Allez, s'il veut regarder. Regarde. Non, mais j'ai vu un elfe. Un elfe, oui. Tu vas voir mon gnome, surtout. Parle-moi pas comme ça. J'ai vu un elfe. Moi, c'est Sabre. Moi, c'est Sabre. Faut que je vois Jojo, Sabre. Ah non, pas Jojo. Ah, s'il vous plaît. Il est où mon portable ? Hey, Monsieur Light ? Mais c'est le but d'aller à la maison. Putain, mais lunettes, je t'avais dit de fermer la portière. Il est un peu pas Paul. Quoi, ça va être demain à foutre, là. Et si je lui faisais ça comme cadeau, elle va pas en revenir. Ouais, mais ça va pas être facile. Je t'aurai, Antoine. Je t'aurai. On va y aller, chérie, hein, prépare-toi. Ouais. Non, mais ça y est, mais on arrive. Non, attends, moi, j'ai pas que ça à faire. Ok, je te dis qu'on arrive, ça y est, on arrive. Allez, faut se dépêcher là, hein? Allez, on est en retard. Allez, hop, et voilà, hop là, pardon. Tigre. C'est ça? Moi, c'est ça. Alors, c'est du lourd? On se dit-tu? On se dit rien.
Ce sera long. Tu viens pour m'annoncer. Comment tu fais avec vos reproches ? C'est plus pour un bilan, on va dire. J'ai rien à dire. Tout ça, c'est du passé. Va-t'en. Vers la prison, comme la dernière fois ? Tu l'as cherché, faut dire. Ne me provoquez pas ! Vous croyez que vous allez m'effacer comme ça ? Oh, ça va. J'ai changé, vous savez. Comment t'as eu mon adresse? Ça y est, c'est reparti, les questions. Je te préviens, si c'est pour un état des lieux, y a rien à voler. Ça va, lâchez-moi tous avec ça. J'ai purgé ma peine, ok? Jaco, va jouer plus loin. C'est au sujet de ma sœur. Un moment dur à passer. Un moment dur à pas... Quoi? Jaco? Qu'est-ce qu'il y a, Jaco? Non, c'est bon, ça va, laissez-moi, je vous dis. C'est juste une crise. Non, non, mais attends, mais viens. Oh, vache. C'est un ulcère. Un ulcère, là, c'est un mal, mais tu rigoles. Tiens, installe-toi là. Alors, fais-le. Doucement, doucement. Attends, tu bouges pas, je reviens. Elle vous largue à cause de moi et vous trouvez que c'est juste un moment dur à passer? Vous étiez fou d'elle. Elle aussi, elle me l'a assez reproché. Tiens, même encore la semaine dernière au parloir. La semaine dernière? Bah oui, au parloir. Vous êtes sourd ou quoi? Qu'est-ce que vous allez me faire? Mais je vais désinfecter. T'inquiète, il fallait que je retienne tout ce qu'on me dit. Ça ferait longtemps que j'aurais plus personne à consoler. Je ne veux pas entendre parler des autres. Dis-moi, je t'aime. J'en ai besoin. Tu sais bien que je peux pas. Moi, je peux tout, c'est ça. Surtout, dis rien à personne. Même pas tes collègues. Ah ! Depuis 2 ans qu'elle vient me bassiner que je vais gâcher sa vie. Mais ça va changer maintenant. Croyez-moi. Qu'est-ce que t'as encore foutu, toi ? Moi, rien. Rien, c'est ça. C'est vrai, j'ai tendu le bras et... Coup de bol, la première voiture qui s'est arrêtée, et ben, je suis monté. Le mec m'a gonflé et puis... ça a mal tourné. Encore une connerie. C'est une garde à vue ? Je suis plus flic. Vous, plus flic. Moi, c'est pas très important. Qu'est-ce que t'es venu me dire de plus? Ma sœur. C'est grave. Grave?
Attends. Si t'es venu torturer avec ta sœur, même pour te venger de mes interrogatoires, c'est pas la peine. Puisqu'elle vous intéresse plus, ça sert à quoi que je vous le dise? Le voyeurisme, ça a jamais guéri personne. T'es sûr que ça va, Jaco? Ouais, ça va cicatriser, c'est bientôt fini. Allez. Fais gaffe, je m'y fais pas. Et rends-moi mon journal. Isabelle va être malheureuse à cause de vous. Ça va faire la gueule en plus que vous veniez même pas à son mariage. Ça risque d'accélérer sa maladie. J'ai lu ça en tôle. Elle va se sentir rejetée. Voire morte avant l'heure. T'es arrivé quelque chose en prison? 18 ans, qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive? Si vous, demain, vous étiez très malade comme Isa, vous serez bien content d'avoir quelqu'un qui vous appelle. Un paumé, une ex. Un ami. Je vous vois d'ici, minable devant votre radio des poumons. Vous serez comme ma sœur. Désemparée. Seule. C'est dommage, hein, que vous ne soyez pas de la fête. Parce que quand je vais lui annoncer que vous êtes plus keuf, elle risque de larguer son mec. Moi, je dis ça, c'est pour vous. Si vous le faites pas pour elle, faites-le pour moi, au moins. Je te dois rien. Pour rien.